C'est une intense semaine de prière pour l'unité qui vient de se terminer à Jérusalem. Elle a rassemblé des chrétiens des différentes églises et confessions. Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire, était l'extrait du passage des Actes des Apôtres qui fait référence au naufrage de Saint Paul et était le thème de ces 9 jours de prière œcuménique. C'est un défi, nous le savons par l'expérience que nous avons dans nos familles, dans nos communautés, dans nos paroisses et surtout dans cette ville où l'unité est un vrai défi. Ici, à Jérusalem, avec toutes les églises et les confessions présentes, nous pouvons toujours nous améliorer. Nous devons prier et invoquer l'aide de Dieu. Et c'est ce que nous faisons plus particulièrement en ces jours de prière. Il convient de prier et de chiedere l'aiuto di Dio. Et questo lo facciamo in questi giorni. Au Cénacle, ce sont les moines bénédictins de l'abbaye de la Dormition de Marie qui ont dirigé la prière composée de chants, de lectures de l'Évangile, d'échanges de paix et du Notre Père récité à l'unisson avant la bénédiction finale. Des gestes importants qui se répètent chaque soir dans les différentes églises de la ville sainte. Malgré les difficultés et les défis, et nous savons combien Jésus en a eu, il n'a cessé de prier pour l'unité. Alors si nous en rencontrons, nous pouvons à notre tour essayer de vivre l'unité, parce que c'est ce que Dieu nous a demandé. Noi possiamo cercare veramente di vivere l'unità, perché Dio lo ha chiesto. C'est ensuite l'église Saint-Marc des Syriaques orthodoxes qui accueillait les représentants des églises et les fidèles des 13 confessions chrétiennes présentes en Terre Sainte. Un voyage œcuménique qui s'est également poursuivi pendant le week-end, lorsque fidèles et religieux vinrent chez les Éthiopiens orthodoxes et les Grecs catholiques. À l'église de Jérusalem, de ne pas se soddisfarsi solo in questa settimana di prière. Aux églises de Jérusalem, je dis que je ne suis pas satisfait de cette seule semaine de prière. Nous devons prier, nous rencontrer davantage, trouver des opportunités pour que nous puissions servir et aider nos chrétiens. Mais nous pouvons aussi transmettre un message au monde entier, à savoir que tout un chacun peut nous accompagner par la prière et par l'amour, un amour tel qu'il nous aidera à rester en Terre Sainte. Prima di tutto con leur prière, con leur amore, grande amore. Così rimaniamo in Terra Santa. Aiutarci di rimanere in Terra Santa.